Salut, ici Mister Gameplays. Nous voilà encore pour une vidéo de Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques shaders différents. Donc, vous pouvez déjà voir que j'ai un autre shader qui est Sildruss Vibrant Shader. C'est mon préféré des quatre. Vous pouvez voir qu'il est assez coloré, donc il est très vibrant en couleur. Réflexion dans l'eau, pas mal. Je comprends pas pourquoi c'est. Il me donne des œufs dans l'eau ceux-là. Les sont coincés un peu dans l'eau, c'est pas grave. Les ombres sont bien faites aussi. La réflexion du soleil aussi, pas mal. Regardez si on peut voir l'effet sur l'écran. Je vais pas vous montrer avec le doigt. Ça se voit quand même pas. La réflexion dans l'eau aussi, pas mal. Les nuages. Normalement, là je bouge pas. Il bouge tout seul. Voilà donc pour le premier shader. Au prochain. C'est celui-ci, vous allez voir, il est plus blanc. Il a un ton blanc, je trouve. C'est pas un de mes préférés. J'aime pas trop. Pardon, j'ai loqué. Les nuages sont quand même mieux. Donc, si on peut prendre les nuages de celui-ci et le mettre dans l'autre, ce serait pas mal. Par contre, celui-ci, les réflexions de soleil, ils sont énormes. Vous pouvez même voir dans le loin, là-bas. Et ça éblouit, franchement, ça éblouit. Donc, après. Comme ça donne encore bien. Après, on a le prochain shader, qui est Mr. Mips. Celui-ci a des couleurs un peu plus vintage, si je peux dire. Par contre, la qualité d'eau. Même bah, dedans c'est un peu comme d'hab quoi. La qualité d'eau elle est un des meilleurs je trouve. Pendant le soleil, on n'a pas de nuages. Pas du tout. Il n'y en a jamais avec ce shader-ci. Hein. Donc les nuages sont désactivés. Les réflexions, bah, il n'y en a pas tant, puisque on voit là-bas. Mais on n'a pas tant dans l'eau, ou même sur les trucs où il y a les ombres, mais voilà, il est pof. Si on prendrait l'eau, les nuages de l'autre, sur le premier que je vais vous montrer, ce serait parfait. Et puis, le plus lourd, Quantinium 1,1.5. Qu'on reprend, celui-ci c'est le top du top. Il demande le plus de ressources. Vous voyez, il tombe à 18 frames là aussi. Par contre, regardez l'eau. On dirait qu'on y est en vrai, avec les petites vagues dedans. Donc, si on prendrait les vagues, la qualité d'eau du shader précédent et les nuages du shader là encore avant, dans le premier, ce serait parfait. Ce serait le shader ultime, je crois. Par contre, à part ça, il est aussi assez foncé. Les nuages, il y en a. Regardez les nuages ici. Par contre, les nuages ici, ils ont l'air un peu mieux. Vous avez l'air plus vrai. J'ai l'impression. Le banc, c'est quoi ça? C'est la lune quoi? Bon, apparemment, là, une lune. Je suis en train de monter au plus haut. Là, voilà, je suis dans un nuage. Donc, on a l'aspect nuage aussi. Qui est pas mal. Ah, la nuit est en train de tomber. Tombe assez vite, hein, je trouve, dans Minecraft, la nuit de ces temps-ci. Je crois qu'ils ont raccourci les temps, je sais plus. Tout bouge aussi, par contre les arbres sont pas top quoi qualité. Il y a les ombres qui passent à travers avec ce shader. Voilà donc voilà, je vous ai présenté ces quelques shaders. Je vais revenir au premier, donc vous allez voir la différence de qualité quand même, je trouve. Celui-là est très vibrant, c'est aussi son nom. Moi je préfère celui-ci. Chacun ses goûts aussi. Ces poules qui me suivent partout. Tiens, hop. Sont où les autres? Hii. Ah non, tu veux pas? Tu veux pas? Ah bah, si tu veux, tu veux, tu veux pas. Tu veux? Ah, il veut pas, il veut pas. Mais il est dans les plantes, hein, quand je te donne. Ah voilà. Là, ils vont tous me suivre. Ah, venez. Ah, ils ont jamais fait. Putain, ils sont vite pour faire des bébés. Attends, 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 attends. Je peux pas. Oui.
Donc voilà, je présenterai encore d'autres cheddars dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.